climat d'insécurité entretenu par un de ses voisins. Nous allons parler justement des pourparlers de Nairobi, du mini-sommet de Luanda en Angola. Nous allons également parler du face-à-face qu'a eu le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, avec la jeunesse. Ça s'est passé ici à Kinshasa, dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Et avec moi sur ces plateaux, Félix Kabala, expert au département de communication à la présidence de la République. C'est lui qui est notre invité. Bienvenue. Bonjour, monsieur Oscar. Comment vous sentez-vous? Mal, bien sûr. Parce que les gens peuvent dire que c'est Oscar Kabamba. Félicitations d'abord à lui de sa nomination au CESAC. Et aujourd'hui, vous prenez le relais de cette émission qu'il a souvent animée. Ça prouve qu'il y a toujours la relève et la continuité dans l'exercice qui est le vôtre de pouvoir informer, éclairer l'opinion publique de la gestion de la chose publique. Oscar Kabamba, pour ceux qui ne le savent pas, est aujourd'hui rapporteur au sein du Conseil supérieur de l'audiovisuel en RDC, donc les CESAC. Toutes les fleurs de la rédaction en direction du directeur Oscar Kabamba, qui est aujourd'hui rapporteur au sein du CESAC. Félix Kabala, l'actualité au pays, c'est la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ça fait plus de 25 ans, plus d'un quart de siècle, que cette partie de la République est devenue aujourd'hui les ventres mous sur le plan sécuritaire. Les FARDC font face aujourd'hui à une agression, n'est-ce pas, perpétrée par les Rwandais, par l'entremise du M23. Aujourd'hui, au niveau de Nairobi, c'est la reprise des pourparlers avec les groupes opérant dans l'est de la RDC sans le M23. Votre commentaire. Tout d'abord, avant de commencer à tenir tout propos à travers cette émission, j'ai d'abord un cœur qui saigne. Comme tous les Congolais, sur toute l'étendue de la République, ont aussi leur cœur qui saigne. Qui saigne pourquoi? Parce qu'il y a des barbares, encouragés par un État barbarique. Vous voulez parler du Rwanda? Je le cite. Qui ne prend que plaisir à voir le sang couler en République démocratique du Congo, parce que ce pays a des appétits économiques pour subvenir à ses besoins futurs. On doit se le dire de la sorte et d'une manière cash, comme on le dit de fois, dans un français beaucoup plus courant. D'abord, paix à leur âme, ces Congolaises et Congolais qui ont péri, pas par leur volonté, mais par la volonté de leurs bourreaux à l'est de la République, parce que leurs bourreaux se sont dit que l'on va nous couper la manne qui a souvent nourri nos appétits et que l'actuel président de la République ne regarde que l'intérêt des Congolaises et Congolais. L'intérêt général de la nation. L'intérêt général de la nation. Alors pour faire mal, nous devons tuer. Je n'ai pas de mots, à part la tristesse, les condoléances à toutes les familles, bien sûr à la RDC également, et j'espère qu'avec ce genre de comportement, je compte voir la communauté internationale se lever comme un homme, un seul homme, condamné cet acte qui est un acte odieux. Et jusque-là, barbare. C'est le silence total parce que. Jusque-là, jusqu'en ce moment, aucune condamnation. Nous nous connaissons. C'est qui l'agresseur? Il est soutenu par qui? Parce qu'aujourd'hui, les M23, on ne va pas nous dire que le M23 s'est levé comme ça d'un claquement ou d'un coup de bâton magique. Le M23 aujourd'hui est suréquipé. Non, le M23 n'existe pas. Le M23, c'est une couverture, c'est un voile, c'est un rideau. Vous voulez dire c'est comme la chemise, mais les corps, c'est les Rwandais. Non, mais le M23, c'est un peu ce que je peux dire, un habillage, un maquillage. Vous savez, lorsque vous vous rencontrez, je prends l'exemple simple,
Pendant la nuit, vous rencontrez une dame super maquillée, une femme super maquillée. Mais vous ne savez pas qu'est-ce qui est caché derrière le maquillage de cette femme. Vous risquez d'embrasser un diable voilà, ou une diablesse. Donc le diable derrière le maquillage de cette femme que vous rencontrez, sans pour autant être contre le maquillage de femme, c'est juste un exemple. Qui n'a rien à voir avec... Alors, ce diable que vous rencontrez, qui est derrière le maquillage, a un nom, et le nom se connu, c'est le Rwanda. N'allons pas par le dos de la cuillère. Parce que sont eux qui sont entrés dans d'endeuiller les familles congolaises à l'est de la République. Félix Kabbala, vous dites que c'est le Rwanda qui est en train d'endeuiller les familles congolaises dans l'est de la République. Dans les zones conquises sous occupation du M23, le gouvernement de la République, par l'entremise du porte-parole du gouvernement, le ministre de Médias, Patrick Muyaya, il a été dénoncé noir sur blanc les massacres, si je peux appeler ça ainsi, à grande échelle, des populations civiles qui sont en train de manifester une certaine résistance, par exemple d'enrôler, de rejoindre les rangs du M23. Et pour ce faire, le deuil national, un deuil national de 3 jours, a été décrété. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces massacres qui sont en train d'être perpétrés à grande échelle dans les zones sous occupation puissent arrêter parce que les dialogues ou les pourparlers ont repris? Il y a eu le mini-sommet de Luanda, mais apparemment sur le terrain, ça ne suit pas de fait. Je vais expliquer cela d'une manière méthodique et c'est vraiment, ça sera une explication beaucoup plus éducative et beaucoup plus scientifique. Le paradigme en République démocratique du Congo a changé. Quand je parle de paradigme, on voit à la tête de l'État congolais un leader qui ne voit que le Congo, qui ne voit que les intérêts des Congolaises et Congolais. En la personne de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dès son avènement au pouvoir, il pose un diagnostic sur base d'une observation de la situation, le marasme insécuritaire dans lequel nous nous retrouvons. Il se dit, je propose 3 solutions, parce que ce problème est venu d'ailleurs et il s'est transformé en problème intérieur. Les causes sont exogènes et endogènes. L'erreur, nous la connaissons. Elle était l'erreur technique des anciens dirigeants de l'époque. Vous parlez du couloir humanitaire qui avait été ouvert à l'époque. Mais tout est venu de là. Avec la bénédiction de la communauté internationale. Tout est venu de là. Le grand malheur du Congo, c'est ce couloir humanitaire qui a été ouvert à l'époque du génocide rwandais de 1994. Nous avions compati avec ceux qui ont été massacrés. Jusqu'aujourd'hui, nous continuons de condamner cela. Mais cette erreur technique des dirigeants de l'époque Zaïre, jadis de l'époque aujourd'hui Congo, la République démocratique du Congo, était d'ouvrir ce couloir humanitaire sans filtrer, sans filtrage. Je dis bien un couloir humanitaire sans filtrage. C'est devenu comme un panier à crabe, donc, tout le monde est entré. On a laissé tout un État traverser, au-delà, dans nos frontières, au-delà de nos frontières. Tout un État rwandais a traversé avec armes, munitions, banque centrale, tout un État. Je dis bien tout un État. Ces personnes qui avaient traversé avec devises étrangères et tous les armes, munitions, lorsqu'ils sont arrivés chez nous, ils devaient s'intégrer. Et comme ces couloirs humanitaires étaient ouverts, ils se sont transformés en seigneurs de guerre pour certains d'entre eux. Et ça créait des cacophonies au sein de nos populations internes. D'où ces causes exogènes qui se sont transformées en causes endogènes. Le président de la République observe, il arrive au pouvoir, c'est quoi ce problème? Il observe et il pose un diagnostic en 3 étapes. 1. Renforcement de nos capacités sécuritaires. 2. Le dialogue communautaire, parce que le problème exogène est devenu endogène. J'ai expliqué le pourquoi. 3. La diplomatie régionale. Je reviens au premier point. Le président de la République dit renforcement de nos capacités sécuritaires. Cela voudrait dire les FARDC,
la police et tous les services qui vont avec. Donc les équipés, les conditionnés, les services qui vont avec, c'est-à-dire, ça peut être l'ANER et tant d'autres services, la Direction Générale des Migrations, la DGM, ainsi de suite, le CNS, tous les services qui vont avec. Aujourd'hui, la preuve en est que le président avait posé ses diagnostics, mais on ne savait pas qu'en posant ces diagnostics, le problème allait se convertir en agression barbare que nous connaissons aujourd'hui. Mais heureusement que le diagnostic était déjà posé. Aujourd'hui, nos FRDC... Si je ne vous coupe pas, si je comprends bien, ce diagnostic posé par le président de la République a créé la peur chez les voisins qui ne voudraient pas voir que la RDC s'est réorganisée sur le plan sécuritaire, c'est ça? Mais non, le voisin n'a jamais... Vous savez, je dis ici d'une manière anecdotique, dans les émissions précédentes auxquelles je pris part avec certains de mes collègues à la présidence... Lors du discours du chef de l'État, l'adresse à la nation pour la mobilisation. Géographiquement parlant, la RDC a 9 voisins. J'ai même comiquement ajouté un 10e en parlant de l'océan Atlantique. Vous savez, l'océan Atlantique, naturellement, a des vagues. Ces vagues même qui peuvent venir naturellement nous agresser ne nous ont jamais agressés. Ok, mais de ce 9 voisins naturels que nous avons, pourquoi il n'y a qu'un seul qui est agité, un seul, et il a un nom, le Rwanda. Pourquoi? En plus, hein, écoutez, je ne vais pas faire ici l'apologie de la xénophobie, parce qu'il est punissable par la loi, et le président de la République l'a clairement dit, en mobilisant les Congolais en général. Mais laissez-moi vous dire une chose. Le voisin agité a un mode opératoire et c'est à travers ce mode opératoire qu'il s'assure d'une manière sa survie à lui. Nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais. Ça, je dois encore insister là-dessus. C'est, et pas, le président, c'est par contre les régimes. Nous n'avons aucun problème avec le peuple rwandais. Pour preuve, ils vivent ici. Nous vivons également chez eux. Chacun va à ses occupations respectives. Ici, on est avec eux, hein. Nous sommes d'accord. Ils sont là, ils sont dans des restaurants, ils sont dans des endroits publics, nous sommes avec eux. On n'a pas de problème avec eux. Le problème que nous avons, c'est avec leurs dirigeants, leur État, qui ont une vision macabre de la RDC, qui, eux, inculquent ou donnent, transmettent à leur peuple la vision selon laquelle nous devons tuer au Congo pour assurer votre survie. Et là, cette vision, ce sont des visions des époques révolues, et pour cela, le président de la République a été clair, même quand il était à Luanda, même quand il a rencontré le président Kagame à New York, sous les auspices du président français. Mais d'abord à Luanda. Commençons d'abord par le dernier à Luanda. J'ouvre une parenthèse. Au moment où on déclare par le président Lorenzo que non, voilà, nous prenons certaines résolutions ici à Luanda et que nous avons remarqué que les autres sont un peu absents, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, commandant suprême, défenseur de l'unité et l'intégrité territoriale et surtout des intérêts congolais, demande au président Lorenzo, de qui parlons-nous, monsieur le président? Des M23, absents? Non. Les M23 ne sont pas absents, ils sont là présents. On dit où? Mais les représentants des M23 sont là, ils ne sont même pas leurs représentants. Les patrons des M23 sont là. Ils pointaient du doigt le représentant du président Kagame, les ministres des Affaires étrangères, M. Biruta, qui n'a rien dit par rapport à cela, parce qu'il sait que c'est la vérité. Il sait que c'est la vérité. Le président Kagame avait dit quoi au président Tshisekedi à New York? Ce sont quand même certaines choses, après que l'actualité a pris son cours, nous devons quand même informer. C'est important, allez-y, parce que informer l'opinion publique. Lorsque vous aviez vu la photo entre le président Tshisekedi et le président Kagame, le président Macron y être. Bon, naturellement, nombreux d'entre nous étions contre le fait que le président aille à cette rencontre. Mais diplomate qu'il est, grand diplomate qu'il est, il était où? Aux Nations Unies, au Concert des Nations. Et qui présidait
la présidence du Conseil de sécurité de cette session aux Nations Unies. C'était le président français. Ce n'est quand même pas le président quand même pas de n'importe quel pays au monde. Oui. Il les invite. Le président y arrive également. Nous avions tout fait. Et c'était bien dit. On ne voulait pas qu'il y ait des mains serrées entre les deux présidents. Parce que si on allait serrer la main, connaissant le président Kagame, ils allaient utiliser le média pour dire... Ça allait être encore un point de commerce. Le président Tshisekedi vous dit qu'il est contre le Rwanda, mais il vient serrer ma main. Il n'y avait pas eu de poignée de main. Et lorsqu'ils ont échangé, le président Kagame a dit clairement au président Tshisekedi que non, je vais faire des efforts pour parler aux M23, assister la République démocratique du Congo pour que les M23 puissent se retirer. Et le président l'a eu au mot devant le président français, lui dit, voilà la preuve de ce que nous sommes en train de dire, que c'est eux qui agressent. Mais comme il y a tout le temps les revirements, tout et tout, vous avez parlé de trois aspects, par le président de la République. Effectivement, parce que vous savez, le Congo est tellement très vaste que si l'on dit de puiser toute la matière aujourd'hui, nous n'y arriverons pas. Le deuxième aspect, parce que le premier aspect, c'était le renforcement de nos capacités sécuritaires. Et si vous suivez très bien le président Tshisekedi, quand lorsqu'il fait une promesse, il travaille toujours derrière sa parole donnée. Aujourd'hui, les FRDC sont sur le front, les théâtres de la scène de guerre qui se trouve, qui nous est imposée. L'enrôlement se poursuit en même temps aussi. L'enrôlement se poursuit, la mobilisation se poursuit également. Deuxième élément, c'est le dialogue communautaire. Le président de la République a compris que le problème qui était exogène, transformé en problème endogène, il fallait d'abord aller parler aux communautés. Au début de son mandat, il est allé voir les communautés à l'est de la République. Plusieurs mois encore plus tard, il est allé s'installer pendant un mois à l'est de la République. Je faisais partie également de ce voyage pendant presque un mois à Goma. On a vu, et c'est ce qui amène au troisième élément, qui est la diplomatie régionale. Le président Tshisekedi s'est déployé à travers la région. Il a fait ce qu'on appelle la diplomatie de proximité, une diplomatie directe. Avec les États voisins. Il est allé voir chaque voisin personnellement. Il a vu chaque voisin personnellement. Il y a eu également de la diplomatie multilatérale à travers les organisations internationales, raison pour laquelle Monsieur le Président de la République a amené le Président Kagame à Goma. Il a été applaudi comme un prince, comme un roi à Goma. Grâce à qui? Au Président Tshisekedi. Et comment est-ce qu'il aujourd'hui, ça apparaît maintenant comme une sorte de trahison, pratiquement. Comment est-ce qu'il remercie avec la bonne volonté du chef de l'État. Comment remercie-t-il le Président Tshisekedi? Comment remercie-t-il le Président Tshisekedi? Lorsque le Président Tshisekedi lui serre la main. Non, il est en train de mordre la main de la personne qui a voulu faire de lui un président acceptable par tous. Parce qu'à l'est de la République démocratique du Congo, qu'on se le dise, les Congolais de l'Est ne sont pas des dupes. Aujourd'hui, le monde a évolué avec l'apport de la technologie. Cette jeune génération qui est en train de naître et grandir, savent très bien que le mal profond de notre situation à l'Est, ça vient d'ailleurs, vient même pas d'ailleurs, vient du Rwanda. C'est le voisin le plus âgé. Élie Kabala, puisque nous parlons du Rwanda, le président Paul Kagame, devant la Chambre des représentants, devant l'Assemblée nationale du Rwanda, il a fait des déclarations terribles, indexant le président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Je vais prendre dans la foulée ce qu'il a dit. Il a dit que le président Félix Antoine Tshisekedi profite de la crise du M23 dans l'Est pour retarder les élections. Ces déclarations ont fait un grand tollé à Kinshasa et dans plusieurs capitales. Votre réaction, Cheikh, par rapport à ce que Kagame a dit? Tout d'abord, laissez-moi vous dire que le président Paul Kagame et le président Félix Tshisekedi, c'est deux écoles de la démocratie différentes. L'on peut me dire que le président Paul Kagame est président, ça fait près de 20 ans. Et que le président Tshisekedi l'est, ça fait 4 ans. Il n'y a pas de problème. Le président Tshisekedi a connu et subi une formation, pas n'importe laquelle, entre les mains de maître, qu'on appelle le sphinx, paix à son âme,
Papa Étienne, Tshisekedi Doua Moulimba. Attendez quand même, c'est le fils de son père quand même. Il a bénéficié des enseignements que peut-être plusieurs d'entre nous, fils politiques, ou arrière-petit-fils ou petit-fils politiques de Étienne Tshisekedi, n'avions pas eu la chance d'avoir. Parce que lui l'a bénéficié naturellement, parce qu'il savait comment son maître respirait, comment son maître posait ses gestes. Et cet homme aujourd'hui qui est le président de la République nous prouve que parmi tous les élèves d'Étienne Tshisekedi, c'était celui qui s'est distingué, mais il était trop humble de ne pas le montrer pendant sa formation. Pour preuve, il est président de la République. Moi qui vous parle, je ne suis qu'un produit politique de ses mains, fabriqué de ses mains. J'étais une matière première qui a subi une transformation et après, je deviens un produit entre les mains d'Étienne Tshisekedi Doua Moulimba, des restes mémoires. Moi, vous savez, je vais vous dire une chose. Mon mentor politique s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Okay. Fidèle, loyal à cet homme, je le défends advienne que pourra. Parce que d'où il est l'œil de la pyramide qui voit ce que le bas de la pyramide ne peut pas voir dans des horizons beaucoup plus lointains. Donc, lui, il est là. Quand il voit, il nous alerte. Nous, on fait le travail de terrain. Mais là où il est, d'où il a les données que moi, je n'ai pas. Que vous, vous n'avez pas. Les informations qu'il a, moi, je ne les ai pas. Donc, je bénéficie. Je suis comme un électron. Nous sommes tous des électrons autour du noyau qui est Félix Tshisekedi. Parce qu'en notion de physique, le noyau comporte l'électricité qui dégage pour que les électrons puissent s'en accaparer. Afin de se mouvoir, seuls les physiciens me comprendront et ceux qui ont touché un peu de la matière physique. Mais, et puis c'est normal qu'il ait les données que nous n'avons pas parce qu'il est au sommet de la pyramide. Donc moi je vous dis clairement, le propos du président Kagame, c'est d'abord deux écoles différentes. Le président Kagame parle des élections en République démocratique du Congo. Je me pose des questions. Soit il est opposant extérieur au président Tshisekedi, soit le président Kagame veut se substituer au rôle du président Denis Kadima. Ah bon, okay. Ou soit il est expert électoral. Ou bien c'est un expert en matière électorale. Bon, vous savez, parler de matière électorale, le Rwanda et la RDC, quand même, c'est deux réalités différentes parce que nous, nous sommes une démocratie. Avec l'avènement du président Tshisekedi au pouvoir, nous sommes une démocratie. À la différence du Rwanda, le Rwanda n'est pas une démocratie, c'est une démocrature. Oh. Je m'explique. Démocrature, c'est un nouveau mot. Pourquoi je le dis? Parce que c'est un système qui parle de la démocratie, or les pratiques sont contraires à la démocratie. Et là, ça devient une démocrature. Ça devient une démocrature. Il ne faut pas confondre l'asphaltage des kilomètres de route et l'érection des bâtiments et des centres où le monde entier vient pour tenir des conférences internationales à la réalité de la liberté d'expression. Je donne des éléments clairs. Hein. Chez nous, la liberté d'expression est garantie. Mais on n'accepte pas l'outrage. Tous ceux qui ont fait outrage au chef de l'État sont punissables. Je m'explique pourquoi. C'est quoi l'outrage? C'est-à-dire, le président de la République, humain qu'il est, vous au moins, il est humain, mais le président de la République, c'est une institution. Le Parlement, c'est une institution. Le gouvernement, les cours et tribunaux. Imaginez-vous un monsieur qui s'élève, qui va jeter des pierres à la porte de l'Assemblée nationale pour casser des vitres. Il est en train de violer l'institution. Il doit être arrêté. C'est de la même chose également quand on le fait contre le chef de l'État. Mais ici, il y a la liberté d'expression. Dis-moi au Rwanda, qui est cet opposant qui peut lever son petit doigt? Ou même celui qui peut même ouvrir sa bouche, respirer contre Paul Kagame, si il ne connaît pas la prison, ou peut-être un autre chemin que moi je ne connais pas. En d'autres mots, il n'y a pas de démocratie là-bas. Il n'y a pas de démocratie au Rwanda. Comment tu peux gagner une élection avec 98%? Mais tout le monde a voté, non? Mais attendez un peu. Même dans sa propre maison, il y a quand même des opposants, non? Même un père de famille rencontre l'opposition quand même parmi ses fils. Mais les fils l'aiment, mais ils rencontrent quand même l'opposition. Là, c'est l'exception qui confirme la règle. Ah, oh, mais non, attendez, quelle exception qui confirme la règle? Je ne suis quand même pas né de la dernière pluie. Vous savez, si le développement était la condition sine qua non pour que Internet arrive au Congo, parce qu'on a un déficit infrastructurel, l'Internet ne serait pas arrivé. L'Internet aujourd'hui est au Congo. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui en République démocratique du Congo. Pour preuve, la génération d'aujourd'hui
n'est pas la génération d'hier, il y a 20 ans, à qui on pouvait dire un mot et vous, il gobe facilement. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire une chose. Peut-être je vais entrer dans un domaine assez particulier. Le Rwanda peut-être souffre d'une qualité d'espionnage qu'ils avaient mis en place il y a plus de 20 ans contre la République démocratique du Congo. Peut-être que ce sont ces ressources humaines qui ont vieilli pour espionner, infiltrer la République démocratique du Congo. Parce que ceux qui avaient infiltré la République démocratique du Congo, hier, jadis, avaient peut-être 40 ans, 50 ans. 20 ans après, ils ont quel âge ? 60, 65. 70 ans. Ils n'ont plus la même efficacité qu'il y a 20 ans. Donc, vous voulez dire que les prétextes FDLR, c'est un prétexte fallacieux, un faux fuyant qui n'existe même pas. Ils sont fantomatiques, le président l'a dit aux Nations Unies, montrez-nous ces fantômes des FDLR, qui n'existent presque plus. C'est un prétexte. Aujourd'hui, tellement qu'ils souffrent d'infiltration de ressources humaines, aujourd'hui, il se dit quoi ? Non, il faut renouveler ces ressources humaines. Alors, pour renouveler ces ressources humaines, il faut avoir des personnes, des hommes et femmes capables de venir faire le travail que leurs aînés ont fait il y a 20 ans. Or, lorsqu'ils regardent sur le terrain, la donne a changé. C'est un nouveau paradigme. Le président de la République s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est prêt à parler avec vous. Il a signé des accords bilatéraux avec vous pour des échanges commerciaux avec vous. Mais vous avez regardé, vous avez même signé, vous aviez signé, ne sachant pas que l'homme était plus intelligent que vous, il vous a fait signer des accords pour vous dire que ça doit cesser. Et des accords qui ont été par la suite violés avec cette énième agression. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui et ce que nous sommes en train d'observer. Félix Kabala, je voudrais qu'on aborde un autre sujet lié toujours à la situation sécuritaire. Dans l'est de la RDC, le président de la République, d'ailleurs vous l'avez épinglé tout à l'heure, il a pris part au mini-sommet, n'est-ce pas, à l'invitation justement du président angolais Lourenço. Lors du mini-sommet, à la clôture de ces mini-sommets, 15 résolutions ont été adoptées, si je peux dire ça ainsi, ont été votées. Parmi ces résolutions, il était demandé, intimé au M23, de quitter les positions qu'ils occupaient et de reculer jusqu'à leur position initiale. Faute de quoi, le 25 novembre, donc deux jours après, à 18h, la force régionale devait utiliser, devait s'attaquer justement aux positions de M23 et les faire par force. Mais rien de tout cela n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Les M23, les éléments de M23 sont toujours là. Et nous assistons à l'arrivée du déploiement justement. Ils sont là, mais aucune action sur le terrain. Je ne vous ravis pas la parole. Aux forces de l'EAC. Nous devons changer les langages. Le ministre Mouyaya souvent parle du narratif. Changement de narratif. Et moi, je parle du paradigme. Le nouveau paradigme, c'est la nouvelle donne. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de l'État. Le narratif que nous devons adopter aujourd'hui, c'est que nous devons de moins en moins parler du M23. Nous devons maintenant amplifier dans notre langage, journalistes, politiciens, parler clairement du Rwanda. On doit parler du Rwanda. C'est le Rwanda qui ne veut pas quitter le sol congolais. L'État rwandais, l'armée rwandaise. Il n'y a pas de M23. Excusez-moi, les scientifiques peuvent se mettre à 1000 devant moi, ils ne vont pas me convaincre de réadapter mon narratif au narratif M23. Parce que selon moi, l'accord de 2013, si je ne me trompe, a mis fin à l'existence du M23. Oui, la M23 avait et été le M23, lorsque l'on parle de se replier dans leur position d'avant, parce qu'il faut bien communiquer là-dessus, il y a certains manipulateurs médiatiques qui disent que non, nous avions créé une zone tampon. Non, il n'y a pas de zone tampon. Lorsqu'en 2013, le M23 a cessé d'exister, ils se sont repliés où ? Les uns au Rwanda, d'autres en Ouganda, justement. Et certains sont restés en République démocratique du Congo. Le Rwanda dit clairement que l'affaire du M23 est une affaire de Congolais. Alors, si c'est une affaire de Congolais, s'ils doivent se replier, ils doivent se replier dans quelles terres ? Dans les terres congolaises, non ? Là où ils étaient devenus inactifs.
militairement parlant, et ils apprenaient déjà à se réintégrer au sein de la société. Alors, d'un coup de bâton magique, d'un claquement de doigts, le M23 ressurgit. Par quelle magie? Non, il n'y a pas de magie. C'est le Rwanda qui est venu au Congo. Mais jusqu'ici, le malheur du Rwanda, c'est quoi? De l'État rwandais, pas de Rwandais. De l'État rwandais, le malheur du président Kagame, c'est quoi? Il est en face d'un président extrêmement populaire qui a entre ses mains une bombe à retardement. C'est laquelle? Le peuple? Le peuple congolais. Voilà. Qui est déterminé, qui, comme un seul homme, sont tous derrière lui. D'accord. Et c'est en ce moment même que je lance l'appel à tous les hommes politiques qui se disent hommes politiques dans ce pays, opposants. Je cite le nom, Martin Fayoulou, les Denis Essanga et tous les autres. Monsieur Mouzito. Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est avec nous, non? À l'Union Sacrée. Ah d'accord. Vous parlez des opposants. Parce que, oui, je parle des opposants. Ah d'accord. Parce qu'il n'est pas opposant. Il n'y a que des supputations sur sa personne. Pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, il est derrière le président de la République. Je parle de d'autres acteurs. Ces acteurs, même si ils ont honte de dire d'appuyer le président Tshisekedi, mais comme c'est le Congo qui nous appartient tous, utilisez vos narratifs respectifs, vos propres mots, passez, défendez la cause nationale de l'intégrité de notre territoire, de notre pays, des intérêts de Congolais, de Congolais. Même si vous n'allez pas accepter que c'est le mérite du président Tshisekedi, il n'y a pas de problème. Mais nous vous concédons quand même, nous vous donnons ces crédits de parler de l'intérêt de la République. Mais jusque-là, c'est un silence radio. Personne ne parle. Je pense que les messages sont arrivés. Ils attendent qu'il y ait un petit couac quelque part. Les Lissanga Bonganga vous suivent et les autres opposants vous suivent. Lissanga Bonganga, ah, il est... Je croyais qu'il était en vacances quelque part. Voilà, nous allons... Ça fait longtemps que j'ai entendu parler de lui. D'accord. Félix Kabala, vous êtes expert au département des communications à la présidence de la République. Les pourparlers de Nairobi ont repris. Et, j'ai ouï entendre que tous les groupes armés opérant en RDC sont présentement à Nairobi. Exact. Sauf le M23. Est-ce qu'il y a une conditionnalité pour la participation du M23 à ces pourparlers? Les conditions sont claires. Vous déposez les armes, vous vous retirez des territoires occupés, on vous intègre dans les pourparlers. Est-ce qu'il faut faire un croquis pour que les gens comprennent cela? Non, on n'a pas besoin de faire un croquis pour que les gens puissent comprendre cela. Le pourparler de Nairobi accouche chaque jour de moments assez particuliers. Nous avons pleinement confiance en la personne qui représente le chef de l'État, son mandataire spécial, le professeur Serge Tshibangu, qui jusque-là fait un travail remarquable. La position de la RDC n'a pas été fragilisée parce qu'il suit à la lettre toutes les orientations qui lui ont été transmises par le commandant suprême, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un, au premier jour, le communiqué qui est sorti de Nairobi appuyait et renforçait la position de Luanda, qui était celui de déposer les armes, cesser le feu, se retirer des territoires occupés et d'intégrer les autres groupes armés dans le pourparler. Il y a eu un problème d'infiltration avec certains équipements de communication qui a été détecté par les représentants de l'État congolais et ça a été élagué et le pourparler ont repris. D'abord, certains groupes armés qui se trouvent dans le pourparler, certains d'entre eux posent des conditions, mais nous comprenons qu'il y a un grand tireur de ficelle à l'extérieur. Je ne parlerai pas du M23, le Rwanda. Parmi les conditions, c'est, par exemple, parce que... La grande condition, c'est l'amnistie. Ok. C'est bien beau de parler de l'amnistie. Mais nous parlons de la justice transitionnelle. J'ai suivi les médias périphériques. Pourquoi on parle d'une justice transitionnelle? On ne peut pas donner l'amnistie à des individus comme qui ont commis de massacres, des qui peuvent des être
assimilé à un génocide, à des génocides, des crimes, des guerres. Mais au nom de la paix, on peut... Mais non, attendez, ce n'est pas une boulangerie où on est en train de distribuer du pain. L'amnistie, il ne faut pas le considérer comme une boulangerie, monsieur. On ne donne pas du pain gratuit. Même le pain, même la maman qui vend le pain, qui le prend de la boulangerie, pose la question à cette maman. Il ne prend pas ses pains gratuitement. Il le mérite, il paye le prix pour avoir ce pain. Et vous qui venez pour consommer ce pain, même ce pain, même si c'est facile à consommer ou que ça coûte moins cher, c'est abordable. Mais on ne le gagne pas quand même facilement comme ça. Donc l'amnistie n'est pas un pain qu'on distribue ou une manne qu'on distribue aux individus qui étaient des grands seigneurs des guerres, qui ont commis des crimes odieux, parce que sinon, si l'on commence à distribuer l'amnistie comme ça, comme du pain à certains seigneurs des guerres, eh bien, que diront ceux de Kamuinan Sampou? Les Bakatakatanga diront quoi? Le Bundu Diamahala. Diamayala. Excusez-moi, l'Empangi de Congo central. Pour la prononciation, bien sûr. Ils diront quoi? Ne sont-ils pas congolais? Et les conditions qu'on nous pose, c'est toujours la même. On parle que de la même tribu et unique tribu. Les Banyamulenge, qui disent que non, nous ne pouvons pas, ils ont suspendu leur participation au pourparlers. Pour parler de Nairobi. Oui, je parle de Nairobi, disant que non, nos positions, nos villages ont été attaqués. Mais attendez, vous savez quoi? Les Banyamulenge, on a dit qu'ils sont des Congolais. On est d'accord? On les a acceptés comme Congolais. Alors s'ils sont Congolais, pourquoi un autre pays doit venir défendre ces Banyamulenge chez nous, au Congo? Laissez-nous résoudre le problème des Congolais entre nous. On est d'accord? S'ils sont Congolais, ils vont accepter les conditions qui ont été posées et présentées par l'État congolais. Et non un autre État qui vient jouer le tireur de ficelle, qu'on connaît bien. Une question me taraude l'esprit, Félix Kabala. Quel est le prix de la paix en RDC? Qu'est-ce qu'il faut faire? Toutes ces concessions dans les pourparlers? Ou bien vous avez parlé des services de sécurité qui doivent être réorganisés en même temps, appuyés par les chefs de l'État. Qu'est-ce qu'il faut pour un retour définitif de la paix? Parce que la crise, la situation d'insécurité n'a que trop duré en RDC. D'abord, le Congo doit savoir une chose. Nous n'avons que nous, Congo, comme meilleur allié pour terminer la crise insécuritaire qui est sévit à l'est de la République. Deuxièmement, nous sommes un pays qui ne vit pas en autarcie. Nous vivons avec d'autres pays qui sont des voisins directs et des voisins lointains. Il existe des pays qui ont cette bonne volonté de nous aider à atteindre des objectifs escomptés pour éradiquer ces problèmes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous saluons l'action que mènent les Burundais auprès de nous, de nos forces armées. Nous saluons en général l'action que mènent les États engagés de la Eastern African Community à travers les forces kenyanes qui sont arrivées. Chacun va respecter le cantonnement du positionnement, le positionnement qui lui sera donné et attribué. Et dans tout ça, c'est que la chose pour laquelle je me sens très satisfaite est que l'on met toujours les FARDC en avant. Malgré la présence de la force de la Eastern African Community, l'EAC, nos forces armées sont mises en avant. Elles sont associées dans toutes les opérations militaires qui sont menées. Bien sûr, parce que nul ne connaît ce terrain mieux que les FARDC. Nous sommes en train de terminer cette émission. En plus de cela, oui, rapidement, je dois oui. Rajouter une chose. Les négociateurs congolais, je les applaudis. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez l'accord, nous regardons le processus de Nairobi du 20 juillet ou du 20 juin, si je ne me trompe, de cette année, au point 2, l'on reconnaît par tous les chefs d'État de l'EAC, de la Eastern African Community, la suprématie de la constitution congolaise au-dessus de toute forme de conciliambule qui pourrait découler de ce processus de paix que l'on recherche pour la stabilisation à l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce qui a ouvert une brèche même au Parlement congolais de mettre en avant une loi pour bloquer toute forme d'accord qui irait dans le sens du mixage, brassage, intégration. D'intégrer dans l'armée, au sein des de l'armée congolaise. Donc ici,
Le Congo a aujourd'hui des personnes consciencieuses qui peuvent mettre en application les recommandations du commandant suprême. Félix Kabala, nous sommes en train de terminer cette émission. Nous prenons la dernière partie de ce magazine. Vous le savez autant que moi, le président de la République était il y a 2 jours face à la jeunesse, regroupée au sein du Conseil national de la jeunesse. C'est une grande première, le chef de l'État à l'écoute des jeunes. Sans langue de bois, les jeunes ont posé toutes sortes de questions au président de la République sur la marche de la nation. Votre commentaire quant à cela, nous terminons par là. D'abord, il faut commencer par féliciter son Excellence Monsieur le Président de la République parce qu'un exercice pareil face à la jeunesse, ce n'est pas donné à tout le monde, ou même certains chefs d'État à travers la région ou dans le monde. Prendre ce temps, écouter les jeunes, certains exacerbés par la situation de la République démocratique du Congo, de leur propre situation, il faut d'abord commencer par applaudir le président de la République. Deuxièmement, c'était un grand message, très fort, le geste que le président de la République a posé, d'être en face de la jeunesse. C'est-à-dire, il leur dit clairement, l'avenir de ce pays vous appartient. Si vous ne vous impliquez pas pour le devenir de ce pays, pour l'avenir de ce pays, c'est votre avenir qui va en pâtir. Donc sa présence d'abord, c'était ça d'abord ce grand message. Et c'était aussi un message, là, une présence mobilisateur, une présence mobilisatrice à cet événement. Au moment où je suis en train de faire cette émission avec vous, il sera en train de les recevoir pour faire le suivi de cet entretien qu'il a eu avec eux. En plus de cela, aujourd'hui cette jeunesse est venue plaider pour une cause qui est juste à la nation congolaise. Ils ont évoqué la sous-traitance. Mais c'est vrai qu'en évoquant la sous-traitance, en dehors de la sous-traitance, il y a eu également d'autres questions. Il y a eu de propos aussi, il y a aussi de propos que moi je n'ai pas acceptés, venant de certains jeunes. Accusant un certain membre du gouvernement Non, mais écoutez, le président de la République a été honnête. Il a même demandé des preuves. Il a dit, écoutez, amène-moi des preuves, on va accuser, vérifier. C'est une chose. Mais en apporter de preuves en est également une autre. Mais si vous avez de preuves, apportez-les-moi, et que si cela s'avère vrai, c'est lui qui sera attrapé, coupable par rapport à ces preuves. Le chef de l'État a promis de sanctionner. N'aura plus sa place au sein de ce gouvernement. Il a promis de sanctionner, même dans le Mais il a été un vrai leader, un vrai chef, qui a été celui qui a accepté de recevoir tout le coup. Il était le bouclier de son gouvernement, de ses ministres. Je ne sais pas si c'est Félix Kabala, c'est ce qui expliquerait la nomination de beaucoup de jeunes au niveau de la petite territoriale. Des jeunes bourgmestres, des administrateurs du territoire, et tout. Il y a beaucoup de jeunes qui ont été nommés. Je n'aimerais pas trop commenter les nominations, parce que je n'étais pas dans le secret décisionnaire de ces nominations. Mais j'ai été un simple observateur. Si ces nominations vont dans le sens de répondre à l'intérêt général, j'accompagne. Si ce n'est pas le cas, je m'aligne derrière la volonté du chef de l'État. Ça, c'est d'abord une chose qu'il faut comprendre. Deuxièmement, aujourd'hui, ce dont le Congo a besoin, quand on parle de la sous-traitance à travers cet événement des jeunes, le Congo n'a pas besoin de ravir le beefsteak ou le steak entre les mains de ceux qui l'ont. Le Congo a besoin de se réinventer un système qui va permettre à ce que l'on puisse favoriser les nationaux. Et ce système va ériger ce qu'on appelle une concurrence. Il faut favoriser la compétition, la concurrence loyale. Et le seul et unique acteur en mesure de créer cette concurrence, cette compétition, s'appelle l'État congolais. À l'instar de grands pays de ce monde comme l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud a ce qu'on appelle un système qu'on appelle aujourd'hui, qui a été mis en place il y a plus de 2 décennies, qu'on appelle BEE, B-E-E, qui veut dire en anglais Black Empowerment Economy.
C'est-à-dire, pour l'économie, pour faire avancer l'économie, il va falloir créer une nouvelle classe émergente pour que cette économie puisse être forte. C'est ce dont on a besoin, réinventer. Il faut réinventer un système. Un nouveau système pour la RDC. Un nouveau système qui permet à ce que les nationaux puissent bénéficier d'un accompagnement qui pourrait permettre à ce qu'il y ait épanouissement. C'est même le travail de la sous-traitance sociale. Avec la sous-traitance, oui, pour briser ces fossés-là, combler ces fossés où il y a les trop riches et les trop pauvres. Au milieu, il n'y a rien. Félix Kabbala, nous sommes à la fin de cette émission. Nous sommes suivis à Goma, nous sommes suivis à Ituri, nous sommes suivis à travers le pays et le monde. Un message pour nos compatriotes qui sont en train de vivre les affres de la guerre, notamment dans les Rutshuru, dans les Masisi, à Kanyabayonga et partout ailleurs, où des Congolais sont en train d'être massacrés, tués comme ça, au vu au-dessus de tout le monde, sans que la communauté internationale intervienne. Et il n'y a que des efforts internes pour que la paix revienne dans ce pays, dans cette partie du pays. J'aimerais dire à nos compatriotes à l'est de la République démocratique du Congo de ne pas perdre espoir. Aujourd'hui, ils ont à la tête de la République démocratique du Congo quelqu'un qui dort et se réveille avec ses pensées érigées vers eux. Ils doivent tous faire confiance au commandant suprême. L'action que mène le commandant suprême dans sa diplomatie, qui est celle de la paix, la quête de la paix à travers la diplomatie, n'exclut pas que nous puissions défendre nos intérêts, l'intégrité territoriale de notre souveraineté internationale acquise le 30 juin 1960 pour bouter dehors tout ennemi de l'intérieur comme de l'extérieur. Qu'il se mobilise, qu'il reste vigilant, qu'il réponde massivement à l'appel mobilisateur du chef de l'État de s'enrôler pour les jeunes et d'être vigilant, de veiller contre toute forme de tentative d'intrusion sur leur terre et d'être derrière nos forces armées, les FARDC, la police, pour les aider, les encourager à mieux combattre tous ces ennemis qui sont nécessaires de le mettre dans un deuil permanent. Mesdames, Messieurs, le message, je pense, est compris. C'est par ici que nous terminons cette émission. Merci à Félix Kabbala, qui est expert au département des communications, à la présidence de la République. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci surtout à vous tous qui nous avez suivis à travers ce magazine. Bonne suite de programme sur votre télévision.